Hélène, alors vous mettez en vente votre maison, qu'est-ce que vous pourriez dire sur votre maison par rapport à la situation? Eh bien, écoutez, moi je la trouve très bien située parce qu'en fait je suis à côté du RER, je suis à côté du centre-ville, je ne suis pas loin de la Seine. En prenant le vélo, j'en ai pour 8-10 minutes pour aller à la Seine. Je suis à côté du marché. Combien de temps vous mettez pour aller au RER à pied? 8 minutes. 8 minutes à 8 pied. minutes à pied et en marchant normalement, hein. Ça fait combien de temps que vous habitez votre maison? 27 ans. 27 ans. Oui. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans cette maison? J'aime l'espace de vie parce qu'il est très grand, j'ai de la place. Mon jardin, j'adore mon jardin. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de vis-à-vis. L'été, franchement, si je peux me mettre en maillot de bain, personne ne me voit. Je suis entourée d'arbres. Et en plus, il est aménagé à mon goût, donc j'y suis bien. Je mets mon hamac, enfin, j'y suis très bien. Je mange dehors, je fais le barbecue dehors. Je ne suis pas mitoyenne et ça j'apprécie. C'est pour ça que j'ai acheté la maison. C'est parce qu'elle était en retrait de la rue. Elle avait un grand garage. Elle n'est pas mitoyenne. Et en plus, je peux faire des fêtes parce qu'en bas, j'ai mon sous-sol qui est aménagé et je peux recevoir mes amis en bas sans avoir à abîmer mon premier étage, quoi, mon rez-de-chaussée. Donc, je fais mes petites fêtes en bas. C'est sympa. Voilà, je reçois mes amis. On peut danser. On fait pas de bruit parce que c'est en sous-sol. Mon fils a même fait de la musique. Il était en bas dans le sous-sol. Il faisait du bruit que dans le sous-sol. En fait, on n'entendait pas dehors. C'était bien. Voilà. Et pour quelle raison vous mettez en vente, si c'est pas indiscret, c'est quoi la raison? La raison, bah, c'est que je suis en retraite et j'ai envie de changer de coin. J'ai envie de partir dans le sud. J'ai des amis là-bas et donc je voudrais acheter au bord de la mer, dans le sud, tout simplement. D'accord. Bah, je vous remercie beaucoup et je vais transmettre la vidéo aux acquéreurs qui comprendront pourquoi vous vendez. Voilà. Merci Christophe. Merci.
Thank you.